Allez, go, c'est parti. On a bien mangé, on a fait une petite pause. On attaque la déclaration des revendications. Alors, dans l'idée, donc là, j'ai lancé l'environnement de développement. On a la page d'accueil, ça on connaît. Et lors de la première journée de développement où on a créé la page d'accueil, on avait fait le bouton qui permettait de déclarer les nouvelles revendications. Sauf qu'on a juste fait le bouton, il n'y a aucun événement, aucun événement n'est rattaché à ce bouton, il fait rien en fait. Il était juste là pour faire joli. Et donc là maintenant, on va faire quelque chose avec. Alors je reprends juste. Je reprends juste ce qu'il faut. Donc, tac, documentation de lui. Putain, ça j'ai. Attends. Charge pas. On va le renommer là parce que ça. Il s'appelle activiste droit.io, mais en fait, j'avais en tête de faire des schémas différents, mais en fait, on peut mettre des onglets dans le même document droit.io. C'est amplement suffisant. Donc lui, il s'appelait. C'est 8 design en fait. On va l'appeler 8 design et puis. Voilà. 8 design, ça n'a plus de raison d'être. La mock-up. J'avais fait un premier travail pour représenter un peu Bangerang avant d'avoir démarré le développement, enfin avant d'avoir démarré le projet. Je l'avais fait un peu l'année dernière, mais vite fait, je suis passé une journée ou deux à avancer là-dessus pour voir un peu quel graphique je voulais avoir. Mais ça ressemble un peu à ce que j'avais fait, hein, mais c'est plus utile en fait. Il n'y a que éventuellement la représentation des couleurs et tout ça, mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Mais je trouve que généralement, le noir, le fond noir, est assez. Plus sympa que de faire un fond blanc, ça fait terne, je trouve, comme site. Le problème, c'est qu'on veut de la neutralité aussi, donc c'est compliqué. On veut que ça fasse un peu officiel, donc si ça fait trop, c'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, la palette de couleurs aujourd'hui, enfin, c'est plus réellement celle-là, j'ai changé un peu, mais on peut changer toute la palette de couleurs en une fois. Donc je sais que j'ai 6 couleurs aujourd'hui qui représentent les différents éléments, les différentes couleurs du site. Il y a 6 couleurs aujourd'hui. Des dégradés de couleurs. Il y a 4 dégradés de couleurs pour dire le clair, le foncé et les je sais pas si ça se dit en français, mais les emphases. Le fait de faire remonter le clair un peu plus clair et le foncé un peu moins foncé. Donc. Ces 4 couleurs-là, on peut les changer. Après, le vert et le rouge, c'est juste pour dire, c'est juste des petits indicateurs pour indiquer le succès ou les erreurs. Ça, je l'avais déjà dit. Ces palettes de couleurs-là, on peut les changer assez rapidement sans modifier le code. En tout cas, les classes Tailwind que j'ai fait et que j'utilise, on n'est pas obligé d'y toucher. Donc, si jamais au niveau graphique, on veut faire un truc un peu plus sexe que. Parce que moi, c'est la première fois que j'en fais. Du design d'interface et donc potentiellement je suis pas la meilleure personne à en faire donc on fera peut-être autre chose. Alors donc ça dégage et donc ouais, ce que je voulais montrer, donc un peu de perte de temps, c'est pas grave, c'est dans la partie agile. Hop, on veut montrer le comportement qui se passe quand on clique justement sur le fait de déclarer une nouvelle revendication. Et donc, au niveau de la déclaration, ce qu'on a dit, c'est qu'on arriverait donc sur une page de création de revendication. On a dit aussi qu'il n'y a pas besoin d'être
authentifié pour pouvoir créer des revendications. C'est-à-dire que s'il y a juste des gens qui veulent juste ajouter des revendications dans le système, et ben, n'importe qui le fera. On fera peut-être juste des contrôles pour éviter qu'il y en a qui spamment à mort et qui surchargent le serveur parce que les revendications, ça prend de la, ça prend de la place. Donc voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que... alors, il y avait la notion de choix, mais ça, le choix, on n'est pas obligé de le mettre au début. Vu que pour le moment, on n'a que les revendications simples, le choix revendication simple et revendication à choix multiple, enfin, à proposition multiple, on n'est pas obligé de mettre le choix pour le moment. Donc on va attaquer. On va attaquer, puis on va attaquer. Donc, on pourra attaquer ça simplement au niveau du comportement de graphique, de Svelte, du SSR et tout ça. C'est qu'on va créer une nouvelle page. On va aller sur une page de création de, revendication. Donc, on va aller au niveau des routes. On va créer une première composante Svelte. Et on va l'appeler New Claim, comme ça. Voilà, New Claim. Je vais juste marquer New Claim comme ça. Ça, c'est bon. Et donc, il faut que quand on clique sur le bouton, il faut qu'on puisse y aller. Donc, dans l'idée, on va aller au niveau de la vue de la welcome de la page d'accueil. Et donc, là, normalement, pardon. Excusez-moi. Là, dans l'idée, c'est qu'on... Donc voilà, là, on a un bouton. On a le bouton de création de revendication. On peut le changer. C'est-à-dire que ça, j'avais fait un composant dédié. Et en fait, je me dis, on pourra réutiliser le système de boutons générique qui marche bien. Je l'avais fait... Il était un peu foncé. Je l'avais fait, je crois, un peu foncé là-haut pour... Ouais, encore même pas. Hein. Même pas, en fait, c'est un bouton un peu classique. En fait, je l'avais mis dans ce style-là, en fait, dans le style du bas, dans le développement actuel. Moi, je trouve que le style clair, en fait, ça le fait bien aussi. Hein. Sinon, ça fait un peu trop foncé à mon goût. Donc, en fait, c'était ça la différence, en fait. Hein. C'est la différence de style. Donc, ce que je me dis, c'est que le declare new claim, on ne l'utilise plus. Voilà, ça dégage. Et par contre, on peut importer le bouton générique. Tac. Alors, J'anticipe. Je risque d'avoir des moments de lenteur parce que ça fait une bonne semaine là que j'ai pas touché au développement, donc. Que je vais en mettre dedans quoi. Les boutons, donc le bouton générique. Normalement, et le bouton que j'avais créé là, déclare un new claim button là. J'y pense. Je vais mettre le comportement dans new claim button. Comme ça, je n'emmerde pas la page d'accueil. En fait, non, j'annule ce que je viens de faire. J'ai pas envie de mettre du code plus que ça au niveau du composant général de la vue de la page d'accueil. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que je vais laisser le declare new claim button, mais en fait, je vais changer le declare new claim button et je vais mettre du comportement ici. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que je vais mettre du script ici. Voilà. On va importer le bouton générique. Tac. Il est au même endroit, donc generic button, voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que au lieu de mettre tout ça, là, je vais le garder de côté avant, mais là, je mets juste generic button. Voilà, on referme. Alors là, par contre, il manque pas mal de choses, parce que normalement, au niveau du bouton générique, il faut que je lui donne une... on va vérifier. Je vais mettre ça. Ah merde. J'ai plus le. J'ai plus
plus. On va chercher une fête. Svelte. Ouais, c'est ça, c'est. Tac. Donc ça, ça se barre dans les commentaires. Ça se barre dans les commentaires. Ok. Donc là, normalement, voilà, j'ai cliqué mini là parce qu'il n'y a pas toutes les infos. Donc là, on va commencer à mettre ce qu'il faut. Donc là, au niveau du bouton générique, on veut. Normalement, on a un text button. On a du text button. Donc là, le text button, on a dit qu'on veut que ce soit déclaré claim. Text button. New claim. Voilà. Et en fait, on va le mettre directement. Voilà. Donc, il est là. Ouais. Et là, on veut également, ce qui est important pour nous, c'est que est-ce qu'au niveau de la console, il me dit que j'aurais oublié des trucs? Ouais. Donc normalement, on veut faire un binding sur le onClickAction. Enfin, on veut exécuter quelque chose sur le onClickAction. Et on veut naviguer. Et ça, pour naviguer, on a normalement quelque chose à importer au niveau de Sapper. Si je vérifie ça, normalement, c'est quand on fait ça. Donc c'est au niveau des listes. Non. C'est au niveau des cartes. Non plus. Ça c'est le lien. C'était où que j'avais ça? Alors, au niveau de mes routes, on a, par exemple, si je fais l'authentification. Ouais, c'est au niveau des footers. Ouais, ça, c'est le lien pour retourner à ça. Normalement, c'est au niveau du lien. Non, au niveau du lien, on n'a pas. On n'a pas ça. Pique-pique. Non, bah, je peux peut-être mettre juste le lien, tu me diras. Et non, sauf que là, c'est pas un lien, c'est un bouton. C'est un bouton, donc pour faire ça. Je vais réfléchir. Il y avait du. Non, ça c'est le serveur, le template client. Ah voilà, il est là. C'est le go-to en fait que je voulais. C'est ça que je cherchais. J'aurais pu faire un coup de doc. J'aurais pu mettre la doc sapeur à côté. Donc là, on veut juste importer le go-to de sapeur. Et là, on va faire.
la fonction navigate tout. Oh, je peux mettre go to. C'est jusque là. Donc comment s'appelle Il s'appelle new claim. Donc new claim URL. New claim. Voilà. Donc là, on va faire sur un clic action. Là, normalement, il faut lui mettre une fonction GoTo. Et là, il faut mettre l'URL, normalement. Voilà. J'avais pas cliqué au bon endroit. Donc ça marche. Donc quand je clique sur le bouton New Claim, j'arrive sur la page New Claim. Ça me va bien. Ça me va bien. Je vais juste extraire la petite fonction là. Donc c'est navigate. Parce que là sur le clic action, ouais, et la GoTo, ça fait quoi? Ah, j'ai pas le typage. Super. Hop. Donc ça, je veux que ce soit du void. Là, il y a un truc qui va pas. Ah oui, donc forcément. Forcément. Voilà, comme ça c'est propre. Puis même plus tard, je pourrais même extraire tout ça et les mettre ailleurs. Ce sera bien d'ailleurs. Donc là, normalement, si je rafraîchis tout, voilà, j'arrive bien à naviguer. J'arrive bien à naviguer sur New Claim. Donc comme ça, on peut démarrer. Alors, ce qu'il va nous falloir au niveau de New Claim, si je reprends au niveau de la mise en page, on a un gros champ de saisie pour bien montrer que si on veut mettre du détail. Si on veut mettre de l'information, on peut y aller quoi. On a le type de revendication. Je peux préparer ou alors je le fais pas, parce que pour le moment on va faire que les revendications simples. Donc après ça peut donner de la visibilité, d'indiquer qu'il y aura autre chose, il y aura les revendications chez multiples et je le mets en lecture seule, on va dire. Ça permet de préparer un petit peu en avance, donc c'est pas nécessaire au début. Donc, et les revendications chez multiples, je vais pas les faire tout de suite. Donc je pense que je vais pas l'afficher. Je vais pas l'afficher pour le moment, on le fera plus tard. Et par contre, si jamais on n'a pas envie de revendiquer, on a le retour au menu principal. Et le comportement, c'est qu'on a un bouton caché qui est la déclaration. Et donc, l'idée, c'est qu'il s'affiche que quand on a ça qui est sélectionné avec ça. Et ça, de toute façon, ça va être sélectionné de facto par défaut. Donc, on va, je pense, pouvoir faire ça proprement. Alors, on va commencer. On a
On va faire un élément de script parce que là, il va y en avoir un petit peu. On va avoir... Ah non, je dis des bêtises parce que là, il faut qu'on ait juste le... Il faut qu'on importe... Ah si, on, il nous faut du script, mais on va faire un header, enfin... Ouais, on va faire un main et un footer. Normalement. Au moins. On va faire au moins un main et un footer pour qu'on puisse bah, extraire tout ça. Donc, on va faire un new claim. Header. Svelte. New claim footer. Et un new claim header footer main. New claim main. Hop. Donc là, ça c'est ok. Et donc au niveau du new claim, on va importer. Au niveau des composants, c'est au niveau de client. Composante. Et donc là, on veut. On va importer donc le footer. Est-ce que j'ai besoin d'un header? je vais le nettoyer tout de suite, parce qu'on va, on va dire que non pour commencer. Et donc là, on va juste faire... Je fais des bêtises. Ouais, est-ce que, parce que là ça gagne pas, est-ce que ça marche si je fais un new claim main? Ça a l'air de fonctionner quand j'ai... Je suis même pas obligé de mettre le nom, donc non, je peux les importer comme ça, faut juste que ce soit le... Ah, ça peut être pas mal ça. Par contre, ça me met deux fois. Donc, en fait, on va le laisser avec le même HTML. Et la seule chose qu'on va faire là, avant de faire n'importe quoi, c'est qu'on va changer le sens de ça. Donc là, on a le grand composant, et après, on va commencer à faire les assemblages. Ouais, on va faire ça. Donc là, normalement, on a le même comportement qu'avant. Donc si je vais au niveau du footer, là, je fais new claim footer. Et là, je fais un new claim mail. Et donc, quand je vais dessus, on a bien les deux. La chose que je n'ai pas, je pense, quand je regarde... Quand je regarde ce qui se passe au niveau des pages, c'est qu'il n'y a, enfin, a pas le typage. Il n'y a pas le typage, donc là en fait on est en flex call, mais il faut que je l'efface. Donc là par exemple, si je fais une div pour ça.
Ok, là on est bien. Alors par contre, il en faut pour les caler vers le bas. Je me souviens plus comment on faisait. Ça commence à faire un petit truc. Donc comment j'ai fait au niveau de la Welcome Page View? Ah oui, il faut que je fasse. Je dois toujours faire main et footer en fait. Je dois toujours encapsuler dans main footer. Faut que je refasse du flex. Ah oui, il faut que je fasse le overflow auto et tout le merdier. Et bah, c'est parti. Et l'autre. Alors, ce qu'il va nous falloir, c'est qu'il va nous falloir un input. J'en ai fait normalement. Non? J'ai fait une search bar. Et ben, on va le créer. Hein. Et donc là, on va avoir un new claim description. Total. Donc là, on va être sur un input. Description. Ah, c'est une texte arrière en fait. C'est pas la même chose. Ça donne quoi ça? Enfin, faut que je le mette dedans. Au niveau du main, si je mets ça en valeur partie, on va.
Script tac, import tac, donc on veut les inputs. Donc là on va juste mettre new. J'ai fait une bêtise, on va revenir. On est bien. Ok, donc là on a une comment ils appellent ça? Textaria. Textaria. Ça ne change rien. Ah si. Ah si, et non. Bon. On gérera peut-être par rapport au niveau du composant dessus. Alors, qu'est-ce que j'avais. Est-ce qu'on met des choses. Ouais, describe the claim. Donc normalement on doit mettre. C'est le placeholder. Donc on va le définir ici. Folder. Et donc on a dit qu'on disait des scraps de claim comme ça. Et là donc je peux mettre normalement les soldats. Voilà, très bien. Au niveau des rows, texte arrière. Ah oui. Oui, en fait, c'est le nombre de lignes qu'on se donne. C'est le nombre de lignes qu'on se donne par rapport à la taille, justement, de la description. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que ça veut dire que si je mets un, le truc, il va être plus petit. Et donc, ça veut dire que je peux pas. Ouais, ça veut dire qu'il prend que cette taille-là. Ouais, alors que si je mets row à 10, là il est beaucoup plus grand, et donc dans ce cas-là. Ouais, d'accord. Donc là je vais mettre déjà border. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre Le fait qu'il y ait du shadow, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai pas encore bossé le shadow et ça donne un petit effet pas dégueulasse quand même. Mais pour le moment, alors le padding, padding à 4, on s'en fout. On va mettre border, on va mettre du bangering. Alors on va mettre du texte. Dark Emphasis. Qu'est-ce que. Ensuite, on va mettre du border. Alors là, la bordure, c'est du Light Emphasis, normalement. Voilà. On va faire du Round. Corner, donc là on va mettre en entrée, lourdeur, ben. Ok.
Et au niveau du shadow. Intéressant le shadow parce que ça, ouais, ça donne du relief au niveau du. Au niveau du site, ça j'ai pas pensé. C'est vrai que c'est pas mal ça. Puis pour les boutons, ça permet de. C'est pas dégueulasse. Ça permettrait d'éviter de mettre du border. Mais... Enfin, des bordures. Donc là, on va mettre un shadow inner, c'est pas mal. Alors si je mets juste un shadow. Allô. Normalement, on a du shadow à l'extérieur. Après, on le voit pas trop. On le voit pas trop. Par contre, si je ne mets pas la bordure. Ouais, c'est ça qui fait qu'on a. Ouais, on a le petit effet shadow du fait qu'on ne voit pas la bordure. Donc je peux faire du shadow LG. Ouais, là on le voit plus là. Là il est beaucoup plus visible. Et donc si je rajoute la bordure en plus. Hop, ouais. Là on voit bien le shadow. Alors par contre, ouais, on va mettre du padding interne quand même. Enfin, le haut de la marge interne, c'est M1. Non, c'est un peu trop. Enfin, c'est pas assez plutôt. M5. Non, voilà, c'est le padding. Je fais des bêtises. Ah, c'est le padding. C'est le padding qui fait le taf. Le padding, oui, ça va bien. Donc par contre, alors un padding à 5, il est un peu trop vénère. On va mettre juste au moins un padding à 1 pour éviter que ça colle trop. Voilà. Donc comme ça, l'idée c'est que ça touche pas la bordure. Ça c'est ok. Et on veut. Puis quand j'écris, c'est bon. Ah par contre c'est la. C'est la couleur du place order, ça je sais. Est-ce que je peux écrire place? Ouais, ça je peux. Place holder. Pengarin Gaëtan Phasis. Et là, voilà. Là, normalement, je dis que ouais, ça c'est pas mal, ça me va bien. Ça va bien. Ok. Je prends. Ça, je le mets en dur parce que je pense que ce que je ferai plus tard, c'est que je pourrais peut-être commencer. Enfin, on pourrait le rendre. Enfin, je veux pas le faire, mais on pourrait le rendre dynamique en fait, ça. Le fait qu'il devienne de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on tape dessus, il suffit de compter les caractères qu'on écrit dedans. On voit le nombre de caractères que ça donne au niveau de. On voit si ça commence à sauter des lignes, grosso modo, on surveille ça, et au fur et à mesure, on augmente la taille du truc. Mais on va pas s'amuser à faire ça. C'est pas intéressant. Mais par contre, on va extraire tout ce qui est en dur. Là. Voilà. Comme ça. Là, si je les mets à 1. Voilà, parfait. Parfait. Et plus tard, je pourrais même extraire les classes et les mettre au niveau du script. C'est juste que là, l'avantage de les mettre ici, les classes, c'est qu'au niveau de Tailwind, ça détecte qu'on est au niveau des classes CSS, et donc il y a Tailwind qui fait l'autocomplétion. Si je mets au-dessus, là, dans le script, les classes, je vais plus les avoir... Je peux mettre un SvelteJSX class name. Ah, attends. On va essayer. Au niveau du typage, classe. Le type
Svelte GSX Class 9. Et là, ça gueule ou pas? Et il kiffe pas. Hein. Et GSX Class 9, il... Ouais, non. Et le typage. Je peux pas faire. Une porte. Une toile. Base. Svelte. Sprom. Svelte. Et donc là, si je refais la même. Juste pour voir. Hein. Et là, ça met GSX Attribute. Pas envie, hein. Là, je peux toujours écrire des... Ouais, je peux toujours mettre des trucs dedans. Const class. Svelte. Je suis sûr qu'il y a un moyen de mettre ça dans les typages. Dans les typages qui vont bien, mais. Ah, à moins. Si je fais un const. Non. C'était quoi le typage? C'est un Svelte GSX Class Name. On va essayer de le copier. Il y a peut-être les typings. De toute façon, les mecs qui bossent sur Svelte, ils ont dit qu'ils supportaient TypeScript, mais on sent qu'ils sont pas au niveau des typages, ils sont pas aussi avancés que ce qui se fait avec React. De ce que je comprends, ça a l'air de ramer un peu du cul là-dessus, mais bon, je pense qu'ils ont pas les mêmes moyens aussi au niveau de leur communauté. Et ça, c'est pareil, c'est un moment Svelte nous fait trop chier. Et qu'on veut partir sur un autre framework. C'est vrai que j'ai oublié de t'indiquer que ce retour-là, c'est que j'ai eu du retour technique. Mais normalement, on m'a indiqué que c'était pas un bon choix de partir sur Svelte, parce que Svelte est nouveau et qu'on n'a pas énormément de développeurs front qui sont formés pour utiliser Svelte. Après, ça, c'est mon avis personnel, je sais. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai répondu, c'est que la courbe d'apprentissage que j'ai eue sur Svelte a été bien plus rapide, bien plus efficace que la courbe d'apprentissage que j'ai pu essayer de faire sur React. React, j'ai trouvé que au niveau documentation et courbe d'apprentissage, pour faire le même résultat, en fait, j'ai trouvé ça plus dur. Et donc, c'est pour ça que je suis parti sur Svelte. Et quand je vois ce que j'arrive à faire sur Svelte au bout de quelques jours de développement, je me dis qu'un développeur React sera 15 fois plus efficace que moi à se mettre à bosser sur du Svelte. Mais c'est pareil, si un jour on veut changer et qu'on veut même faire cohabiter des composants, enfin je sais pas si on peut faire quoi, enfin peut-être pas si simple, mais en tout cas faire une migration technologique et partir de passer de Svelte à React, ou autre chose, Angular a vu, on pourrait le faire. Ça on verra. Par contre, je vais faire sûrement un binding de la valeur de ça. Ouais. Value. Ouais. Bah, je vais faire un bind. Hey. Pourquoi je peux pas faire un... C'est à moi qu'il faut que je le mette là. Je sais même plus comment je fais les bindings avec Svelte. RTFM.
C'est comme ça qu'on apprend, c'est à force de pratiquer, hein, vu que là les bindings, ça fait un petit temps que j'en ai pas fait. L'idée, hein, c'est de faire remonter la valeur, hein, dans au niveau de d'une variable qu'on stocke, enfin d'une constante ou d'une une variable plutôt, qu'on va stocker au niveau du script. Pour apprendre à utiliser Svelte, j'ai pas envie de revenir sur du code que j'ai déjà fait, je vais regarder la documentation pour voir si j'arrive. Sans faire du copier-coller, parce que je trouve que c'est un peu de la triche. Ah, voilà, les bindings sont là. Donc bind value, ouais, et on dit sur quoi on bind en fait. Ok, et bah value. Let, cette fois-ci. Print, vide. Et donc là, voilà, bind value avec value. Voilà. Ça, value est déjà là. Ça, c'est OK. Et puis, je peux même, si je veux que ce soit utilisé par autre chose, je peux même l'exporter. Voire, je peux même l'attacher à un store. Je peux même le rattacher. Ouais, bon, ça va être un formulaire, donc on va peut-être pas s'amuser. Ah. On va voir. On va voir. On va voir ça. On va voir ça après. Ensuite, donc ce qu'on veut, on va peut-être encapsuler cette histoire autour d'un. On va faire un form, hein, en fait, d'un point de vue HTML. HTML, form. Pareil, hein, je suis pas un foufou. Ouais, éventuellement. Puis le submit, il dit. Ça dit ici. Pardon. Et puis au niveau du form, on fait une action éventuellement. Ouais, ça peut être ça. Ouais, ça peut être pas mal ça en fait. Donc ce que je peux faire, c'est qu'au niveau du footer, non, du header. Qu'est-ce qu'il me bête lui? Hein? Attends. Ah oui, c'est parce que là, ce qu'il aime pas. Non. Qu'est-ce qui lui va pas comme mal? Ah oui, ok, il y a un problème. C'est le serveur TS qui a pas bien détecté que j'avais modifié le fichier en fait. Il a pas détecté le changement de fichier. Donc en fait on va le remettre comme ça. On fait du TS. Non.
taille. Non. Ah oui, ou alors on régénère l'environnement de dev des fois parce que ça viendrait du code un peu compilé avec le source map et tout le merdier là, avec le pré-process. T'aimes mieux ou pas? Non, t'aimes pas trop. Alors, type script asset vs code. Ouais. Ouais, c'était ça, c'est type. C'est bon ça. Ah, c'est parce qu'il détecte pas. Il détecte pas que je suis dans un fichier TypeScript en fait. Quel enfer. Et là tu détectes là, si je mets la loupe. Là tu le détectes bien. Il m'en veut bien. Il m'en veut à mort, mon environnement de dev. Et quoi, c'est ça que... Et là, maintenant, tu marches? Ah oui, mais c'est pas le cas. T'es con. Et là maintenant il branche même plus. Et cake, comment perdre du temps? Et là il rebranche à nouveau. Au secours. Ça c'est le fait de l'avoir. Ah oui, ça, on va essayer autre chose. On va annuler, on va éteindre le serveur, on va faire run build np. Chose. Alors ce que je fais quand c'est comme ça aussi, ce qu'on peut tenter, c'est de fermer entièrement testcode, hop, et d'essayer de le rouvrir gentiment. Pour voir ce que ça donne. Le bon répertoire. Voilà. Et là, on verra si ça pose encore un souci. On a fait combien de temps? On a fait une petite heure. On va essayer de continuer un petit peu quand même. Donc là, au lieu de mettre directement le new claim title dans le main, on va mettre un form. On va créer un composant de type form. Et n'importe quoi. On commence. Un dossier. Donc, form. Et dans le dossier form, on va faire donc, un new claim form z. Voilà. On va déjà importer. Donc là, c'est new claim.
Title. From. Donc là, on veut choper les inputs. Donc là, title. Et là, par contre, on va faire directement le form. Donc là, on aurait un form, comme ça. Et on met le titre comme ça. Bon, ça, il faut qu'on lance l'environnement de développement. Et donc là normalement ça change rien. On a bien le formulaire qui est là. Il nous faudra autre chose, il va nous falloir donc un bouton de type input. Bon, je le mets là puis après on va l'extraire. Type. Submit, il nous faut aussi value. Donc là, nous, ce qu'on voulait, d'éclair. Ah, par contre, d'éclair, ça faut que je l'extraie. Juste vérifier qu'il s'affiche bien. Sauf que là, je vois rien. Pourquoi je vois rien? Ah oui, il prend pas. Il se met pas à jour parce que au niveau du main je mets juste le claim title, donc ça forcément ça va pas, donc ça je n'importe plus ah, putain, n'importe le formulaire claim form. Form, claim form, et là, hop. Voilà, là, donc là, on a le bouton de déclaration. Sauf que là, le bouton de déclaration, normalement, aussi au niveau d'un formulaire, on est censé faire ici, action. Comme ça. Et puis aussi, il y a la notion de méthode, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas ce que ça fait. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut de beau? Alors oui, ce qu'on s'était dit, c'était que si... Donc normalement, je fais un binding... valeur de new claim title, donc là je peux faire ici un let value pour la mettre ici, et là je peux mettre une condition pour rendre value visible ou invisible, et donc là pour faire ça, pour le rendre invisible, on va le ce que je peux faire là, pour ça, c'est que je peux faire ici un if
pas view. Le pas vide. Dans ce cas-là, si c'est pas vide, ça marche bien. Enfin, par contre, on a un problème au niveau des classes. C'est que c'est au niveau de la... Ouais, c'est le formulaire, en fait, qui... Il faut que je fasse un... Au moins, je pense. Je fasse un BW full. Donc là, quand je commence à écrire, j'ai le bouton de déclaration qui se met en place. Ça, c'est OK. Le bouton en lui-même, il est comment là? Ouais, donc il faudrait que je fasse un flex. Faudrait que je fasse un flex pour dire que je veux tout centraliser. On va faire un flex. Flex call. Là, on a le déclare qui est juste en dessous. On va mettre une marge à 1, au moins. Quand on... Ou le padding. Je confonds toujours. Non, ça, je dis des bêtises. C'est au niveau du... Ça, je vais la renommer. Le claim title input. Je préfère. Donc là, elle manque au niveau du form. Title input. Hop, hop. Et donc au niveau de l'input, on va lui rajouter... Alors j'avais déjà mis un padding à 1, mais je pense qu'on va mettre une marge à 1 aussi. Ce qui est bizarre... Alors je pense qu'il y a le shadow qui fait chier. Ah non, ce qui fait chier, c'est la... C'est la largeur, en fait. C'est parce que j'étais pas en flex avant. Voilà, là on est pas mal. Là on est pas mal, et là je peux... Voilà, j'ai ma marge à 1, et là quand je commence, voilà, j'ai un petit espace, et je mets la marge à 2. Il est un peu plus éloigné, ça c'est bien. Je vais la mettre à 1. Comme ça, maintenant, au niveau de l'input, je vais mettre de la place. Et je peux faire ici une marge à 1 pour que ce soit kiff kiff. Ouais, donc round ici. Ouais. Alors, le bouton de déclaration, bah, c'est un bouton classique, hein. Enfin, c'est les classes classiques des boutons. Donc, on veut... Du border... Du border... light en phasis... On veut du... BG... non, bah, le background. Bah, les grands, on voulait le garder blanc. C'est comme ça que sont tous les autres boutons.
Et par contre, on veut du texte. Le background est imposé, donc je vais mettre un BG. Ouais, light. Ça c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas au niveau du bar. On verra ça. Ça c'est ok. Et donc là, ce qu'il va falloir, c'est au niveau de l'action, c'est qu'il... Alors c'est... Oui, c'est toujours au niveau du formulaire que je fais ça. Donc au niveau du formulaire, on va faire un... On va créer une interface pour ça. Enfin, vraiment, c'est une belle... je suis débile, c'est pas une interface, c'est un type. Là, on a soit claim as proposal, soit c'était quoi? Claim with multiple proposal. Là, qu'est-ce qu'on dit que par défaut, on met claim. Ah oui, on va déjà typer. Non, c'est pas un claim choice, on va faire un claim type. Ça comme ça moi je peux le comment ils font un type cliquez moi c'est où qu'ils ont cliqué moi voilà, on va mettre un input de type radio en fait je l'avais positionné où ouais, c'est ça c'est bien en dessous. Tac, avec un label. Donc là. L'ID, donc là, ça va être un claim type. Input de type radio, le nom de l'input, il s'appelle là c'est le claim type.
Solo de légende. J'ai pas su. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils font. Enfin, je suis pas un spécialiste, un grand spécialiste des formulaires HTML, mais on va apprendre. On va apprendre à force. Donc là, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait que ce soit fichier claim. Et que on pourrait dire que par défaut. Dire qu'il est par défaut sélectionné. Là, le field set, moi je m'étais, j'avais indiqué, non, j'avais pas mis de ça. Doucement. Donc là, le field set, je peux le mettre en flex-flex-code. Éventuellement ici. Je pourrais faire un content au niveau. Ouais. C'est au niveau du. Ici, je pourrais mettre un content center par exemple, ça ferait quoi? J'ai du mal. Alors, au niveau du télémind, au niveau du placement, box element. Ouais, donc là, on aurait par exemple un item center. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, par contre, ça me... Donc c'est peut-être au niveau de la texte arrière, il faudrait que je fasse un flex gros. Des bons, par contre c'est lui qui est ouais là. Comment je le ferai? Le stretch. Je peux faire peut-être un item stretch.
fait pas avoir. Par contre, au niveau de l'input, je pourrais faire un flex. On va tester. Non, le flex pro, il est pas trop. Ou alors c'est peut-être au niveau de la taille où je dis qu'il fait la totale. Et au niveau du claim type, c'est le fil de 7 hein, éventuellement que je peux mettre en T. Mais bon, c'est pareil, là, ça va me caler. Si je fais self center, là je mets classe. Non. Ça le fait pas. Et si je fais un place self center, non plus. Ça je verrai, ça je vais creuser. Je vais creuser, je poserai la question. Je poserai la question. Après c'est pas. C'est pas la mort pour le moment. On va juste faire ici un petit machin, ça ça marche pas. Ça ça marche pas. Je verrai après. Donc là, on va faire un texte en bien. Bon. Light emphasis. Et là oui, il y a l'item center qui a bien marché.
je vais pas cramer trop de gaz sur l'aspect affichage, parce que ça, c'est ça. Enfin, faut maîtriser Tailwind à fond sur le placement et puis sur les flexbox ou la grille. Hein. Je peux partir en mode grille si je veux, mais vu que je maîtrise pas bien, je vais essayer de voir au niveau de la communauté comment je peux avoir un formulaire sympa. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Donc j'ai le bouton, ça c'est ok. Qu'est-ce qu'on veut? Ouais, on voulait ça. On voulait aussi le texte d'ailleurs. Donc c'est au niveau du label. Le label fort, il n'est pas bon, donc il faut que je fasse ça. Et là, parce que normalement le label, je peux le mettre ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il faut quand même une classe pour le label, pour faire un bundler. Light. Vas-y. Bon, il n'y a pas kiffé. Ou alors, peut-être que si je le mettais au niveau de là. Non. Ah, j'ai pas mis texte, forcément. If. Donc c'est pas à ce niveau-là. Je le déplace et je le mets au niveau de claim type. Ici, au niveau du label. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Il y a juste bon, les boutons machin qui déconnent, mais ça, on verra plus tard. Ça fait combien de temps? Ça fait 1h22 là, que je démarre. Ouais, mais après, je vais arrêter. De toute façon, là, c'est une petite journée. Hein. Je me doutais que j'allais pas tout faire. On va avancer encore un chouïa. On va faire ce qu'on sait faire déjà bien. Et puis on terminera vendredi. Ce qui reste à faire au niveau graphique, c'est qu'on ait le bouton de retour au menu, et ça, bah ça on l'a déjà créé, donc normalement on va la réutiliser. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que dans l'idée, dans la logique, là, quand je regarde le comportement de et par rapport à Svelte et tout ça, la façon dont je gère Svelte, hein, il y a sûrement une manière plus efficace de le faire. C'est que grosso modo, là, quand on va appuyer sur le bouton déclarer, on va faire comme si on était sur la page de proposition, sauf que tant que j'ai pas la validation que la revendication est créée, je préfère rester sur la page de New Claim. Donc on va envoyer l'appel de création de nouvelles revendications, on attend, ça se passe ou ça se passe mal, ça se passe bien ou ça se passe mal, et si ça se passe bien, je fais un go-to, parce que j'ai l'ID en fait de la revendication qui... J'ai l'ID qui va bien, et donc en fait, je vais pouvoir, si la revendication est correctement créée, je vais directement naviguer. Parce que l'idée, c'est que quand ça se passe bien, en fait, j'arrive à l'état de la revendication pour revendiquer directement si j'ai envie. Donc il faudrait qu'on navigue sur la page de la revendication plutôt que de rester sur la page de New Clay. Ça, c'est pas mal, en fait. On revendique, ça cogite, c'est OK, on se barre vers la revendication. C'est pas bon, on reste éventuellement pour voir les erreurs, ou alors on annule et on retourne au menu principal, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, mais je pense pas qu'on va le faire aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai assez de temps de gérer ça, parce qu'il faut que je fasse le store et tout, que je génère l'événement de création, que je mette un peu de logique pour juste... C'est débile, hein, mais là, pour le moment, en fait, on va juste rajouter la valeur, enfin, on va rajouter le titre. On va créer une nouvelle revendication qu'on va ajouter dans le tableau avec le titre qu'on a fourni en input et un niveau de revendication nul. Enfin, il n'y a pas de revendication. Personne n'a revendiqué dessus, les pourcentages sont à zéro. Voilà, tout ce qui est initialisation de la revendication, on va dire, il n'y a que dalle à faire, mais c'est un coup à mettre les doigts dans un truc et que ça m'amène à tard.
je pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Mais par contre, on va juste faire le petit bouton à la fin qui reste. Le petit bouton, on l'avait déjà. Ça... Non, c'est pas ça. Ah, c'est un générique bouton en fait. Enfin, non, on avait dit qu'on faisait pas un bouton là en fait pour les liens, on faisait un lien. On faisait un link. Et je pense qu'il existe déjà au niveau des links. On a le back to main menu link Zelt. En fait, on va le mettre. On va le réutiliser. Puis ça, je pense qu'on a les footers qui vont bien. On a des footers qui doivent déjà exister avec ça. Donc les footers, on a le. Bah, c'est le claim footer en fait. Le claim footer, donc voilà, c'est ça. C'est le link qui fait le background. Le main menu avec le lien qui va. Écoute. Par contre, je suis con là, quand je suis ça, là, quand je fais le lien, je devrais m'amuser à plutôt à faire du go-to. Enfin, je sais pas si ça permet de faire des choses plus optimisées que. Plutôt que de faire du link href. Là. Voilà, que je reviens. Donc, je suis au niveau de mon claim footer. C'est là. Et là, on va juste faire script. Et puis on va importer. Import. Link. Donc les links. Et puis on va importer les. Import. Donc là, c'est au niveau de routing. X. Il faut juste que je les mette comme ça. Voilà. Et là, normalement, là, je peux revenir en arrière. Voilà. Donc je peux déclarer, revenir en arrière, déclarer, revenir en arrière. Ça, c'est propre. Tac, je commence à écrire. On a la déclaration. Sauf que là, ça fait que dalle. Ça fait que dalle. Je vais juste faire forme. Disable submit. Ouais. Unsubmit. Ça, c'est du jQuery. C'est du jQuery Mac. Parce quand je fais ça, ouais, ça me fait quand même naviguer. Hein. Reload. Stop refreshing page. Submit. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut mettre un prevent. Alors, Zelt form prevent default. Je crois que je peux faire... Je sais pas comment ça marche.
vais faire un... Submit et là je fais ça. Prevent. Ça marche ça? Non, il veut pas. As, ouais. Non. Parce que c'est peut-être une. Alors ouais, je peux faire autrement en fait. Au lieu de mettre on submit, je peux faire un on deux points submit. Ah d'accord. Et là je mets prevent default. Ah d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Voilà, là c'est bon. Et donc là par exemple juste pour tester. En dessous, on va mettre submit. On va mettre ça. C'est un boulet 1. On va dire qu'il est faux de base. Voilà. Ça va. Et donc là, submit false. Donc là, quand je fais quelque chose normal, il se passe rien. Mais par contre, là, si je fais un submit égal truc. Et là, hop. Hop, voilà. Parfait. Ça change bien la valeur. Et ça ne me recharge pas la patch. C'est ça que je voulais. C'est ça qui m'en va bien. Ça, c'est cool. Ça m'évite d'avoir un rechargement de page. Et puis bon, j'ai un comportement qui se fait. Donc là, c'est OK. Ça change bien les valeurs. Ça fait bien le taf. Ça fait le café. Donc la seule chose que je veux faire là par rapport à ça, c'est que on va rajouter. Donc là, il y a un input de type. Ouais, déclare. Donc là, c'est un déclare new claim submit button en fait. Donc ça, on va le externaliser dans les inputs. Déclare new claim submit button set. On met ça là et on va l'importer. Ça,
ça marche toujours. Hein. C'est bon. Est-ce que le fil de 7, je vais le laisser. Par contre, la légende, oui. Ouais. Par contre, là, il y a un autre input. Donc là, c'est le claim type radio bouton. On l'a vu comme ça. Alors, par contre, non, c'est pas... là, c'est un, plutôt un claim. Non, c'était pas... Comment je l'avais appelé mais... Claim as a proposal. Donc là, ça, je peux l'embarquer. Donc c'est le radio, c'est la radio button claim as a proposal. Un new claim, je le laisse tel quel, hein, c'est parce que c'est juste pour amorcer le truc. Alors le submit, ça normalement c'est du void. Je ne vois pas retourner quelque chose avec ça. Ouais. Bah c'est en fait, oui, c'était le claim. Oui, le claim choice en fonction de ce qu'on... Le claim type et tout, on n'a pas besoin. Ça, on va l'exporter. Il ne me propose pas de le sortir, donc on va le... sortir entièrement, on va le mettre au niveau des interfaces. Ici, hop, new file, claim type, yes. Voilà. Ça on peut l'importer. Là ça gueule, mais j'ai pas l'alerte. Le choix, enfin le choix, là c'est pour prévoir la suite, hein. C'est parce que j'ai... L'idée c'est qu'on fasse des créations et qu'on indique aussi dans la création le titre et le type de revendication, comme ça si jamais dans le seul appel quand on dit que je veux créer une revendication, en fonction du choix qu'on a sélectionné, on va dire que la revendication elle est simple ou elle est choix multiple. Ça on verra après. Ça c'est bon, la légende je la conserve là, parce que ça va avec le field. Non, pour moi ça va. On peut stopper là, ça fait 1h40. Bon, c'était très graphique, hein, là, il n'y a pas eu trop de logique. J'aurais bien voulu faire plus, mais les choses font que non. Les choses font que non. Faut dire que j'ai démarré tard et... Le week-end était chargé dans tous les sens du terme. J'étais chargé en activité et chargé en calva à mort. J'ai le cerveau imbibé. Je suis un petit baba au rhum.
J'en peux plus. Non, bah, on arrête là. On arrête aujourd'hui. Il est plus de jeu. Il est déjà tard. Il va être. Enfin, tard. 16h30. Enfin, il est 16h30. La petite journée. 16h30. Je vais faire le petit résumé de la journée. On fait la petite démo pour voir ce qu'on a fait. Et puis, ça sera déjà pas mal. Et puis, on attaquera vendredi. Vendredi, la fin de semaine. On est bien. Allez. Bah, je vous laisse là. Je vous laisse là. J'espère que la petite session vous a plu. Elle était tranquille, hein, celle-ci. Hein. Elle était tranquille. Elle n'a pas fait grand-chose. Mais on va avancer. Hein. Allez, je vous laisse. Des bisous. N'hésitez pas à me dire si c'est. Si ça le fait, hein, n'hésitez pas à me dire si c'est cool, si ça vous va, si on peut pas faire des trucs plus propres que ce que je fais là. Hein, il y a sûrement moyen d'améliorer tout ça. Hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais bon, vu que je manque d'expertise en front et que en framework front et que j'ai pas de retour des communautés de développeurs pour le moment, j'avance. Hein. De toute façon, l'idée c'est qu'on aura toujours le temps de le reprendre. J'aime bien avoir l'approche composant. Déjà, voilà, si j'arrive à essayer de dire que ce composant-là, il est en charge de tel truc et il a sa propre logique et un autre composant à côté est totalement décorrélé, qu'ils héritent les uns des autres éventuellement, ce genre de truc, ça va, mais qu'ils se composent en tout cas les uns les autres, ça va, mais pas plus long, quoi. Donc, non, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Allez, j'arrête. Je vous laisse là. Des gros bisous, à plus. Et prenez soin de vous. Allez, ciao.